Job était en train de préparer sa résurrection. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous pouvons acclamer. Et je crois que cela s'attache à nos vies. Que tous ceux qui étaient morts dans nos vies reprennent vie. Amen. En Jésus-Christ. Alors tu peux acclamer pour ta victoire. Parce que le Seigneur te libère maintenant. Alléluia. Alors que tu acclames le Dieu vivant, le ressuscité. Le ressuscité du troisième jour. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus? Jésus. Dis bien ce matin. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus? Jésus. La ville de Champs-sur-Marne doit entendre le sauveur de l'humanité. Est-ce que tu peux dire avec moi, Jésus? Jésus. Alléluia. Nous allons célébrer Jésus. Ouh. Tu peux pousser un cri de joie. Pousse un cri de joie pour la victoire. Oh oh, tu peux commencer à sauter. Tu peux commencer à bouger. Tu peux commencer à bouger. Oh, le ressuscité est présent ce matin. Acclame, acclame, acclame. Nous te célébrons, toi, le Dieu vivant. Reçois encore nos acclamations en ce moment. Je veux danser, louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis. Car le ressuscité, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né. Je suis né. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai ton nom. Je louerai son nom. Je louerai.
Cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant. Yeah. Touche ton voisin, dis-lui, il est vivant. Il est vivant. Et il nous a donné la double faveur. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Acclamation. Bien-aimé, je n'entends pas tes acclamations. Hey, yeah. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Alléluia. On y va. Hey, tu changes. Tu changes mes pleurs en allégresse. Yes. Fini la honte. Fini la honte, je me relève. Je vois ta grâce posée sur je moi. Je vois ta grâce posée sur moi. Oui, je suis venu.
ça. La faveur, la faveur, la faveur.
fait bien ce matin. Alléluia. Jésus est sorti du tombeau. Alors à sa sortie du tombeau, il t'a tout restauré. Est-ce que tu peux pousser? Pousser un cri de joie. Il vient dans une direction.
tu vas pousser dans Colossiens 2, versets 14 à 15, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oui, Dieu a cloué à la croix ta maladie. Il a cloué à la croix ta dépression. Il a cloué à la croix toutes les choses qui t'oppressaient, qui te déprimaient. Il les a clouées à la croix. Crois-le, Jésus t'aime et son sacrifice est réel. Il l'a fait pour ta vie, pour chacun d'entre vous, tous ici présents. Croyez en son amour et croyez-moi, personne d'autre ne pouvait faire ce sacrifice si ce n'est Dieu, si ce n'est Jésus. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que ce matin on peut adorer? Est-ce que ce matin on peut adorer le Seigneur? Est-ce qu'on peut lui exprimer toute notre reconnaissance pour ce sacrifice qu'il a fait malgré nos péchés, malgré nos manquements, malgré notre indifférence même à sa présence? Mais il a fait quand même. Est-ce qu'il ne mérite pas d'être adoré? Est-ce qu'il ne mérite pas d'être adoré? Alléluia. Cheers.
mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Non, rien ne peut. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires
Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Tu me sais que tu m'aimes. Je sais, je sais. Tu me l'as prouvé à la croix. À la croix, tu me l'as prouvé. Je sais que tu m'aimes. Je sais. Dans cette atmosphère de gloire, nous voulons élever le ressuscité. Aïe à la bosse, catalabo se que terebaya. Ne cherchez plus dans le tombeau celui qui est ressuscité. Maya la bosse que te. Ne cherchez plus dans le tombeau celui qui est vivant. Ah, la pierre a été roulée. Maya la bosse. Ikete la bosse kata. Une mélodie douce, puissante, se fait entendre dans les cieux en ce jour. Aïe à la bosse, que t'es là-bas. Ah, une seule fois, pour adorer le ressuscité. Il y a bien plus de 2000 ans, il est parti à la croix pour que nous soyons là en ce lieu. La Pâque représente toute l'essence de nos vies. Alors ce matin, est-ce que nous pouvons adorer le ressuscité? Je vous l'ai dit, ne cherchez plus dans le tombeau celui qui est mort, mais il est bien plus ce matin. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Ah. Yeah. Mélodie venue du ciel. Un chant doux et merveilleux. Oui, tous les anges en harmonie d'une seule voix célèbre ton nom. Ah. Oui, ta puissance et ta grandeur. Ta gloire remplisse l'univers. Oui, ton éclat et ta splendeur. Ta bonté sont incomparables. Oui, mélodie. Oui, tous les anges.
ce matin. Hey, nous sommes tous réunis et assemblés à cause de Jésus. Alors si tu veux acclamer, acclame. Si tu veux courir, tu peux courir. Si tu veux te prosterner, tu peux te prosterner. Si tu veux élever les mains, tu peux élever les mains. Il a tout payé. Il a tout payé. Il a tout payé. Et bien plus pour que moi je sois là. Ah, ne cherchez plus dans le tombeau celui qui est ressuscité, celui qui est vivant, celui qui est vivant, celui qui est vivant. Nous sommes guéris par ses maîtres sûrs. Nous sommes guéris. Son sang a coulé pour que nous ayons la vie. Son sang a coulé pour que nous ayons la vie. Son sang a coulé pour que nous ayons l'opportunité de l'adorer en ce lieu. Vas-y, fais monter ta voix. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la magnificence. Dans les cieux, sur la terre, à toi la gloire. Cette atmosphère de gloire, est-ce que nous pouvons lui dire tous ensemble, Elohim? Résurrection s'attache à ta vie. Pendant que tu le dis, tout ce qui était mort ressuscite ce matin pour toi. Yeah. Yeah. Maison du chandelier, nous pouvons faire mieux que ça. Elohim, Adonai. Pendant que tu le dis, il te touche. Est-ce que d'un même cœur nous pouvons lever les mains et déclarer plus haut? Elohim Adonai. Merci pour ton sacrifice, Elohim. Toi qui m'as tant aimé pour partir à la croix pour moi. En ce jour, nous te disons Elohim, le nom par lequel nous sommes sauvés, Elohim Adonai. Y'a la bouche, kata la bouche, kata la bouche. Pourquoi Dieu l'a souverainement élevé.
élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'à la mention de son nom, tout genou fléchisse et toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Alléluia. La Bible dit encore, il n'y a aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Est-ce que tu peux rendre grâce à Jésus pendant quelques minutes et lui dire, Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Seigneur, de m'avoir donné la vie éternelle. La Bible dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Oh Seigneur, nous te bénissons, merci, nous te rendons Jésus toute la gloire et la merci, louange Seigneur, qui t'est due. Toi l'admirable conseiller, toi le prince de paix, toi l'alpha et l'oméga, l'étoile brillante du matin, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le président des présidents, le maître par excellence, l'entraîneur des entraîneurs, le meilleur des coachs, le meilleur des agents de sécurité, c'est toi Jésus. Avant toi, il n'y avait personne. Et après toi, il n'y aura personne. Alors laisse-nous, Seigneur, t'honorer. Laisse-nous, Seigneur, te glorifier. Laisse-nous te célébrer. Laisse-nous t'acclamer. Et pousser des cris de joie. Alléluia! Est-ce qu'on peut célébrer? Est-ce que tu peux battre les mains comme ça? Est-ce que tu peux balancer les mains et rendre la gloire à Jésus? Est-ce que tu peux rendre la gloire à Jésus, oh Seigneur? Tu fais, toi qui es assis à la droite du Père et qui intercède pour nous, à toi la gloire. J'aimerais qu'on acclame Jésus. Alléluia. Non, bien-aimé, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. J'aimerais que tu acclames le Sauveur. Alléluia. Bien-aimé, il y a autorité et autorité. Alléluia. La Bible dit qu'il a détruit les trônes, les principautés, alléluia, toutes les divinations. Il les a livrées en spectacle, c'était pour toi et pour moi. Alors acclame Jésus de Nazareth à la hauteur de qui il est, alléluia. Dieu est digne de gloire et de louange. Et cet après-midi, nous allons lui offrir nos offrandes. Alors tu vas préparer, oui, une offrande et nous allons apporter dans la joie et dans l'allégresse. Tu vas apporter une offrande en signe de reconnaissance, en signe de gratitude à celui qui t'a sauvé, qui t'a gardé, qui t'a préservé. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité, pour ta grâce. Personne n'est comme toi. Lorsque tu es prêt, tu peux te tenir debout et apporter dans la joie. Alléluia. Seigneur, ce matin, tu dois apporter avec des pas de danse. Tu dois apporter avec une allégresse particulière. Merci Seigneur pour ta présence. Jésus a gagné.
qu'on peut se tenir debout et célébrer la victoire de Seigneur. Louez bien-aimé, est-ce que tu veux pousser un cri à la gloire du ressuscité ce matin? Il est ressuscité, 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 le Seigneur est vivant. Le Seigneur, et nous prions pour les offrandes. Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de fidélité, qui est comme toi, toi qui nous as aimés le premier, nous sommes infiniment reconnaissants pour la grâce, la santé, la faveur que tu nous fais d'être dans ta présence ce matin. Nous t'avons apporté nos offrandes et nos dîmes. Nous te prions, Seigneur, ce matin, reçois-les, agrée-les, sanctifie-les et Père, multiplie-les afin qu'elles servent pour l'avancement de ton œuvre. Nous te rendons grâce parce que nous savons que tu vas manifester ta fidélité et ton amour dans tous les domaines de nos vies. Nous te rendons gloire et louange, toi le ressuscité, le véritable, celui que nous adorons et nous aimons. Au nom de Jésus, nous disons amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris amen. De joie ce matin? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie comme des personnes victorieuses par le sang de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oh oui, le tombeau est vide ce matin. Amen. Jésus. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Le tombeau nous est vide. Acclamons, est-ce Seigneur. Qu'on peut acclamer le Amen. Alléluia, alléluia. Veuillez prendre place dans la présence de Dieu comme des personnes qui sont victorieuses par le sang de Jésus. Amen. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus. Vous pouvez également prendre le temps de saluer votre voisin, votre voisine de gauche, votre voisin de droite. Saluez les personnes qui sont auprès de nous, de vous. Amen. On vous salue dans le précieux nom de Jésus. Vous aussi qui nous regardez en direct, soyez les bienvenus dans la maison du chandelier, une église où l'amour et le témoignage de Christ sont toujours en action. Amen. Est-ce qu'on est béni ce matin? Est-ce qu'on est béni ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce qu'il fait, pour sa présence, pour la victoire à la croix? Amen. Amen, 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 amen. Nous allons passer aux annonces de la semaine. Nous vous rappelons que demain, les hommes de gloire se rencontrent sur Zoom pour un temps d'échange. Amen. Ce rendez-vous se déroule, c'est un rendez-vous mensuel. Il se déroule chaque premier lundi du mois. Et ce rendez-vous aura lieu ce lundi 1er avril de 21h à 22h sur Zoom. Les seniors seront à l'honneur pour traiter le thème « Ce que tout homme doit savoir pour vivre un mariage réussi ». Amen. Ce que tout homme doit savoir pour vivre un mariage réussi. Les seniors de la maison du chandelier seront à l'honneur ce lundi 1er avril. Donc nous vous invitons, que ce soit les hommes mariés, les hommes célibataires, les hommes qui sont en cheminement, les hommes qui sont fiancés, à prendre part à ce programme qui aura lieu sur Zoom demain de 21h à 22h. Amen. Si tu ne détiens pas ce lien Zoom, n'hésite surtout pas à te rapprocher d'un responsable ou même d'un frère de l'église pour avoir ce lien. Car assurément, demain, nous aurons les clés pour vivre un mariage réussi selon la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Comme vous
vous le savez, chaque mercredi, nous avons notre journée de consécration. Cette journée de consécration se déroule sur Zoom. Cette journée de consécration commence avec la dévotion matinale. Cette dévotion matinale se déroule sur Zoom de 5h à 6h du matin. Ensuite, de midi à 14h, nous avons le RDV-Dej, le RDV-Dej où nous sommes enseignés par la parole de Dieu. Ensuite, de 20h à 21h, nous clôturons cette journée où nous nous mettons à part pour entendre la voix du Seigneur par un culte de prière en présentiel uniquement ici même à la maison du chandelier. Donc nous vous donnons rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h ici même. Chaque vendredi, nous avons également le programme À tes pieds, inspiré par le Saint-Esprit et officié par le prophète Jocelyn Kipré. Comme Esdras, nous prenons le temps de nous approcher de la parole de Dieu afin d'avoir les arguments, les enseignements possibles pour pouvoir affronter les réalités de la vie. Donc du coup, nous vous donnons rendez-vous chaque vendredi ici même à la Maison du Chandelier pour 2 heures d'enseignement par le prophète Jocelyn Kipré pour le programme À tes pieds. Lors de ce programme, vous avez également l'opportunité à la fin de poser toutes les questions et le prophète Jocelyn Kipré ainsi que le corps pastoral prend le temps de répondre à chaque question. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour tout ce qui se fait à la Maison du Chandelier? Amen. C'en est tout pour les annonces de la semaine. Merci de votre attention. Sous vos acclamations, nous allons nous mettre debout pour recevoir le berger de la maison. Amen. Nous allons nous mettre debout pour recevoir le berger de la maison, le prophète Jocelyn Kipré. Nous bénissons le Seigneur pour sa vie, pour le prix payé dans le secret, pour le sacrifice à la croix. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer celui-là qui est mort pour toi? Est-ce qu'on peut acclamer celui-là qui a accepté d'être humilié pour ta vie? Celui-là qui a accepté d'être rejeté, flagellé, crucifié. Celui-là qui a ressuscité le troisième jour. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Et là où tu es, tu vas fermer les yeux. From where you are, you can close your eyes. Et tu vas focaliser tes pensées vers la personne de Jésus. You can focus your thought on Jesus. Tu vas simplement lui dire merci. You simply tell him thank you. Tu vas lui dire merci pour you tell him thank you for le salut qu'il t'a accordé. The salvation that he gave you. De par sa mort et de par sa résurrection. By his death and his resurrection. Tu vas lui dire merci pour you la grâce tell him thank you for the grace qu'il t'a donné. That he gave you. Il était impossible Jesus. Pour nous it was impossible for us d'être auprès du Père. To be near the Father. Mais par sa mort et par sa résurrection, il a rendu cela possible. He made this possible. Jésus, bénis-le. Jésus, bless his name. Ce matin, Jésus, this morning, tu es élevé au-dessus de tout. Nous le proclamons encore. Jésus, 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 tu es. Jésus, 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 tu es.
Nous te glorifions. We glorify you. Nous te magnifions. We magnify you. Nous te disons merci. We give you grace. Pour le sacrifice payé for pour the notre sacrifice vie. That you pay for our lives. Seigneur, tu as accepté Lord, d'être flagellé. To be whipped. Oui, tu as accepté yes, d'être humilié. You accepted to be humiliated. Oui, tu as accepté yes, d'être rejeté. You accepted to be rejected. Pour notre vie. For our lives. Tu as accepté d'être crucifié. You accepted to be crucified. D'être perforé sur le côté. To be pierced on your side. De porter la couronne d'épines. To wear the crown of par amour pour nous. By love for us. Seigneur, tu es mort. Lord, you died. Pour nos péchés. For our sins. Et tu as ressuscité. And you resurrected. Pour nous frayer un chemin. To give us a way. Auprès du Père. Near the Father. Seigneur, cela était possible. Lord, that was possible. Par ta grâce. By your grace. Nous sommes reconnaissants envers toi ce matin. Thankful. Et nous te disons merci. We say thank you. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Pour le merveilleux plan de la rédemption. Merci pour le plus grand des miracles thank you for the que tu nous as accordé. Notre salut. Our salvation. Tu nous as sauvés. You saved us. Tu nous as sauvés. You saved us. Tu nous as sauvés. You saved us. Et ceci de façon définitive. Forever. Que la gloire te soit rendue aujourd'hui à jamais. Est-ce que quelqu'un peut pousser la cri de joie et acclamer Jésus? Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Et tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. In the presence of the Lord. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Dis résurrection. Say resurrection. Dis résurrection. Resurrection. Nous sommes très heureux. We are very glad d'être là ce matin. To be here this morning. Pour célébrer ce jour. To celebrate this day. Alléluia. Amen. Je suis également dans la joie also de vous retrouver comme tous les dimanches. To meet you as every Sunday. En ce lieu. Today in this place. Je suis le pasteur Jocelyn pour ceux qui ne I'm le savent pas. I'm the pastor Jocelyn for the one that doesn't know. Soyez les bienvenus. Be welcomed. À la maison du chandelier. In the house of the lampstand. Soyez les bienvenus dans la maison de votre père. In the house of your father. Soyez les bienvenus dans la maison de be votre welcome papa. In the, in the house of your daddy. Où l'amour de Dieu prime where toujours. Love is always in action. Où la grâce de Dieu est toujours where manifeste. Grace is always in action. Est-ce que tu peux acclamer le can Seigneur you give Jésus? The Lord a praise? Je veux rendre la gloire au Seigneur, je suis très heureux. Nous recevons ce matin le pasteur Jean-Field, Sammy Bass. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Sammy? Can we give Lord a praise? Amen. Et la servante de Dieu, la prophétesse, Tania Sammy Bass. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie? Lord a praise. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la délégation de la MTC? Grâce transformation house, au niveau de Montreuil, est-ce qu'on peut acclamer le can Seigneur Jésus-Christ pour la can vie? Give him the Lord a praise? Alléluia! Amen. Comme vous pouvez le constater, as you can see, chaque trimestre, every trimester, nous nous rassemblons ici au siège, here, tous les campus réunis, alléluia! Every campus, nous croyons par la grâce de Dieu and que Dieu nous permettra God, d'en ouvrir d'autres others, et que chaque trimestre, ça soit vraiment un temps de célébration together, de toute la grande famille MDC. Alléluia. Ensemble, nous allons nous unir unite, pour glorifier, to glorify, pour célébrer to celebrate l'Éternel. The Lord. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour amen. Ça? Amen. Je veux bénir Dieu ce matin morning, pour la vie de, for the lives, de tous les pasteurs de la maison every du chandelier, pastor of the Lampstand house, pour la vie de tous les responsables every leaders, de la maison du chandelier, of the Lampstand house, pour la vie de tous les pasteurs assistants de la maison du chandelier. Pastor, est-ce que tu peux te lever pour acclamer le Seigneur pour la vie, clap your hands for the lives, pour le travail formidable qu'ils accomplissent au sein de ce ministère, in the ministry, au sein de cette assemblée, au in sein the assembly, de cette vision? In the vision. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour tous les ouvriers, workers, tous ceux-là qui servent Dieu au sein de l'Église, tous ceux-là qui se disposent pour que le nom du Seigneur Jésus for soit glorifié, que Dieu bénisse vos vies. Lord, amen. Bless your lives. Amen. Prenez place. You may be seated. Gloire à Dieu. Glory to God. Nous avons traversé une semaine très we intense. Got through a big week.
Nous étions à une semaine we were for a week de jeûne et de prière of fasting and praying dans la présence de Dieu in the presence of the Lord du matin au soir from the morning to nous the evening ici, nous avons we meet up here Dieu. We pray God et vraiment le Seigneur and really the Lord nous avait mis à cœur de had put to our hearts prendre une journée to take one day mais continue following, sans s'arrêter without stopping en priant by praying alléluia amen. Donc pendant 24 heures non-stop. 24 hours non-stop. Pendant 24 heures non-stop. 24 hours non-stop. Nous avons prié. We prayed. Du jeudi 20h from Thursday night au vendredi 20h. Friday night. L'église n'a point cessé de prier. The church didn't stop to pray. Il y a eu une rotation ici, they une chaîne de prière. A turnover du matin au soir. From morning to evening. Nous avons prié pour la France. We prayed for France. Nous avons prié pour les enfants de Dieu. We prayed for children of God. Nous avons prié pour les serviteurs de we Dieu. Prayed for servant of God. Nous avons prié pour l'église que we nous prayed sommes. For the church that we are. Nous avons prié pour l'église universelle. We prayed for the universal church. Nous avons crié à Dieu. And we cried to God. Nous avons dit Seigneur, and we say, Lord, plus de convertis. We want more Seigneur, souls. Touche les vies, touche les touch familles, the lives, touche touch les the families, foyers, touch the households, touche les ministères. Touch the ministries. Nous avons prié we prayed pour diverses sphères for de la société. Several sphere of the society, que la puissance de Dieu soit manifeste of God be manifesting, et que le nom de Jésus that the soit name glorifié of Jesus be glorified, au travers de la vie de ses enfants là-bas. All the lives of his children. Et cela a été une réussite. And alléluia. That was a success. Alléluia. Amen. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour toutes I ces personnes to qui sont vraiment disposées that gave pour prier pendant ces 24 heures de prière. Alléluia. 24 hour. Et nous terminons aujourd'hui. And we finish today. Gloire à Dieu, je ne vais pas être long glory to God. I won't parce que be c'est long un temps de célébration. Because it's a celebration time. Alléluia. Amen. Et le thème and the theme que nous abordons that we are treating en ce jour, c'est renaissance rebirth et revêtement qui a été traité durant toute cette semaine. Alléluia. Beaucoup de choses ont été dites. Many things were said. Simplement, j'aimerais que vous reteniez ce matin. Just retain this thing. Lorsqu'on parle de renaissance, on parle when de résurrection. Talking of rebirth, we're talking of alléluia. Resurrection. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsque je parle de revêtement, and when I'm talking about je parle adornment, de revêtir les vertus de Dieu. I'm talking about putting alléluia. The blessing of God. Parce que lorsque nous naissons de nouveau, when we are rebirth, c'est pour revêtir Christ. To be like Christ. Et c'est pour vivre Christ. And to live like alléluia. Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous sommes en ce jour de Pâques. We are here on Passover. Beaucoup de personnes savent ce que c'est many la Pâque. People know that what is Passover. D'autres, les nouveaux convertis, ne savent the pas ce que c'est la Pâque. Know. Il est important que je puisse l'expliquer en quelques mots. I can explain it. Alléluia. Vous devez savoir que la Pâque, Passover, avant qu'elle ne soit une fête chrétienne, it was a party, elle est avant tout une fête en juive. It alléluia. Was a Jewish party. Cette fête-là, this party, commémore, bien-aimé, was about la délivrance the deliverance et l'esclavage and the slavery du peuple d'Israël the people of Israel en Égypte. Alléluia. In Egypt. Gloire à Dieu. Glory to God. Et cette fête-là, pour and les Juifs, party was for the Jewish, était une fête où ils devaient party where they was se souvenir about to remember qu'un jour l'Éternel a day the Lord les a délivrés delivered them de la main from the hand de Pharaon. Alléluia. On le voit en Exode 12, we see this in Exodus, à partir 12, du verset 1 à 14. From verse 1 alors to l'Éternel leur recommanda de célébrer cela to celebrate this chaque année every year en la mémoire de son nom. In the decorum of the, que of le peuple name d'Israël puisse se souvenir so they remember que autrefois before, ils étaient esclaves they de Pharaon. Slaves from Pharaoh. Autrefois, before, ils étaient maintenus dans la captivité. They were attached in captivity. Et Dieu a étendu sa and droite. God delivered them. Il a frappé le peuple he struck égyptien the people of Egypt de 10 plaies. From 10 et la plagues. Dixième plaie and the tenth était la mort des premiers-nés égyptiens. The firstborn Egyptian. Et cela and this a précédé la délivrance was before the deliverance du peuple. Of the people of gloire à Dieu. Israel. Et l'Éternel a and dit the Lord said, lorsqu'il voulait frapper le peuple when he wanted to strike il a dit people, tuer un agneau he said, slow sans tâche without rights, un agneau parfait perfect lamb, et mettait son sang sur les linteaux des portes. On the door, lorsque l'ange de la mort passera et pass, lorsqu'il verra le sang sur les linteaux des portes, door, il saura qu'il ne devra pas rentrer dans cette maison pour ôter la vie au premier-né. To kill somebody. Et c'est ce qui s'est passé. And that's what happened.
Alléluia. Amen. L'agneau a été immolé ce jour-là. Le sang de l'agneau a été mis sur les linteaux des portes. Et ce sang-là les a épargnés de la mort. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Dieu and God les a libérés. Freedom. C'était un nouveau départ pour was a eux. New start. Et c'est ce qu'on appelle that's what we called une renaissance. A rebirth. Alléluia. Amen. C'était un nouveau départ there pour eux. A new start for them. C'était une nouvelle vie pour there eux. A new life for them. Pour la première fois, ils ont formé for vraiment une nation, le peuple d'Israël. A people of Israel. Alléluia. Et en direction de Canaan. And they were going to Canaan. Alors ce peuple-là devait se rappeler so these people was about to chaque remember année every year de ce qui s'est passé that en what Égypte. Happened in Egypt. Alors la fête de la Pâque so the party of Passover, pour les Juifs for the Jewish, c'est une fête de délivrance. It's a big party of deliverance. C'est une fête de restauration. It's a big party of restoration. C'est une fête de liberté. It's a party of freedom. C'est une fête de renaissance. It's a party of rebirth. Ils n'avaient pas le droit de citer autrefois. They were not able to speak mais before, maintenant, but now, par la miséricorde de by Dieu, the mercy of God, sans qu'ils ne payent un sou, without paying a price, Dieu a entendu les cris. God heard their shouts, Dieu a entendu les pleurs. God heard their cries, et Dieu a envoyé Moïse. And God sent Moses, et ils ont été délivrés. They were freed. Ils ont vécu la renaissance. They lived rebirth. Ils ont vécu le renouveau. They lived renew. Ils ont vécu une forme de résurrection. They lived a form of resurrection. Ils ont vécu un nouveau départ. They lived a new start. Et par la puissance de and Dieu. By the power of God, bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, say this morning, en cette journée pascale, in this day of Passover, que Dieu a entendu tes cris. That God heard your cries. Que Dieu a entendu tes pleurs. That God heard your il cries. A vu tes pleurs. And he see your cries. Il a vu tes cris. And he see your shouts. Et l'Éternel étend sa droite. The Lord is giving your hand pour te libérer to free you de tes oppresseurs. From your pour te libérer to free you de tout ce qui t'accablait. From everything that was on pour your te libérer to free you de tout ce qui t'oppressait, de tout ce qui te tourmentait, de tout ce qui t'attristait, l'Éternel a entendu tes cris, l'Éternel a vu tes difficultés, l'Éternel a vu tes problèmes, l'Éternel a vu l'opposition, et l'Éternel a décidé par sa miséricorde et par sa grâce de te libérer to free you en ce jour. In this day. Donne-moi un bon amen. Give me an amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Et bien-aimé, pour nous les chrétiens, for us Christians, célébrer la Pâque, celebrate Passover, c'est célébrer la résurrection de celebrate Christ. The resurrection of Christ. Alors j'aimerais qu'on lit ensemble ce passage I want to read this qui nous parle passage in the de Bible la résurrection that is talking about resurrection. De Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prendre ensemble Matthieu 28, can we take Matthew 28 à partir du verset 1 from verse 1 à 7 to 7. Alléluia. Matthieu 28 Matthew 28 verset 1 à 7 from verse 1 to 7. Nous suivons tous. Je lis la parole de Dieu, Matthieu 28 verset 1 à 7. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Oui. » Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il est ressuscité. He's resurrected. Comme il l'avait dit. Oui. Venez, voyez le lieu où il était couché. Mm-hmm. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Mm-hmm. Et voici, il vous précède en Galilée. Mm-hmm. C'est là que vous le verrez. Yes. Voici, je vous l'ai dit. Mm-hmm. Amen. Amen. Verset 8. Oui. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit. Amen. 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 Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, bien-aimés, so beloved, célébrer la Pâque pour nous, celebrate Easter for c'est us, célébrer ce qui s'est passé ce jour-là. What happened, la résurrection the resurrection de Jésus-Christ of Jesus Christ, des morts.
from death. Jésus-Christ Jesus a triomphé de la mort. Triumphed from death. Jésus-Christ Jesus a vaincu la mort. Defeated death. Jésus-Christ Jesus nous a sauvés. Saved us. Bien-aimés, beloved, le diable the devil nous maintenait was keep us en captivité. In captivity. Et nous étions and we were esclaves de péché. Slave of sins. Et nous n'avons point and we had none le droit de citer autrefois. The permission to be seated. Selon lui, from him, nous étions destinés à la mort we éternelle. Destined to death. Parce que c'était sa volonté, because le diable. It was his will of the devil. Mais Dieu, par son amour, but by God's love, Dieu, par sa miséricorde, by his mercy, nous a délivrés he delivered us par la mort by the death, et par la résurrection and by the resurrection de son Fils unique, of Jésus. His only son, Jesus. Bien-aimé, Christ est beloved mort. Christ died. En prenant nos péchés sur lui. Taking our sins on him. Et il est ressuscité pour nous donner la vie éternelle. To give us eternal life. La mort de Christ, the death of Christ a payé le prix pour nos péchés. Paid the price for our sins. Et la résurrection de and Christ, the resurrection of Christ nous a ouvert la voie opened the way à la vie éternelle. To eternal lives. Voilà pourquoi il pouvait le dire, that's Jésus. Why he was about to say, Jesus, en Jean 11, in John 11, à partir du verset 25 à 26, from verses 25 to 26, il pouvait le dire à Marthe. Je suis Martha, la résurrection I'm resurrection et la vie. And lives. Jésus dit, Jesus said, je suis la résurrection I am the resurrection et la vie. And the life. Celui qui croit en moi the one that believe in me vivra will live quand même. Even if il sera mort. He will be dead. Et quiconque vit et and croit en moi ne mourra jamais. Bien-aimé, célébrer la Pâque to celebrate Easter, pour nous les chrétiens, for us Christians, c'est célébrer Jésus-Christ. It's celebrate Jesus Christ. Il dit, je suis la résurrection. He said, I'm the resurrection. Si nous célébrons sa résurrection, if we celebrate his resurrection, nous le célébrons en vérité. We celebrate him in truth, parce qu'il est la résurrection. Because he is the resurrection himself. Il dit, je suis la résurrection. He said, I'm the resurrection. Et la vie. And the life. Il ne possède pas la résurrection. He possess the resurrection. Mais il est la résurrection. But he is the resurrection. Il ne possède pas la he vie. Possess the life. Mais il est la vie. But he is the life. Et quiconque croit and en lui will believe in him ne mourra pas, will never die, mais vivra. Believe. Quiconque croit en lui believe in him ne mourra pas, will never die, mais vivra. But will live. Alors lorsque nous célébrons when la Pâque, we celebrate Easter, bien-aimés, nous célébrons beloved, Christ. We celebrate Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et bien-aimés, and beloved, lorsque nous célébrons la Pâque, when we celebrate Easter, nous célébrons également notre résurrection. We celebrate our resurrection ourselves. Alléluia. Amen. Christ est mort. Christ died. Il est ressuscité. And it was resurrected. Et en lui, and by him, nous sommes aussi morts. We are also dead. Et ressuscités. And we resurrected. Donc lorsque nous célébrons la Pâque, when we celebrate Easter, nous célébrons Christ. We celebrate Christ. Nous célébrons sa résurrection. We celebrate his resurrection. Nous célébrons sa vie. We celebrate his mais life. Nous célébrons également but we also celebrate notre résurrection our resurrection et notre vie and en our lui. Lives in him. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Can you clap your hands for Jesus? Est-ce que tu peux acclamer can Jésus? Can you clap your hands for Jesus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Can you clap for Jesus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Can you clap for Jesus? Voilà pourquoi la Bible dit. That's what the Bible says. En Romains 6. In Romans 6. À partir du verset 4. From verses 4. Nous avons donc été ensevelis avec we lui. We were buried with him. Par le baptême. By the baptism. En sa mort. In his death. Afin que comme Christ. So as Christ. Est ressuscité is resurrected morts, from the death. Par la gloire du Père. By the glory of the God. De même. As nous aussi, we are, nous marchons we are walking en nouveauté de vie. In newness of life. Bien-aimés, beloved, la résurrection, the resurrection parle d'un passage is talking about a de la passing mort à la vie. From death to life. C'est-à-dire que, bien-aimés, it means, beloved, nous étions autrefois esclaves du péché, before we were slaves of sin, destinés à la mort éternelle, we were going to death, c'est-à-dire à l'enfer, the devil and mais the, Jésus, but Jesus nous a délivré he delivered us de l'esclavage du péché from the slavery of sins. Et nous sommes ressuscités and we are resurrected pour la vie éternelle for eternal life. Il y avait un chaos au départ de notre there vie were a chaos in our lives. Notre vie était insignifiante our lives wasn't meaning par notre mauvaise vie by our bad ways par nos mauvaises voies our bad ways bien aimé tant bien même qu'autrefois even if before nous étions debout physiquement we were standing up physically mais spirituellement spiritually nous étions morts we were dead nous étions morts we were dead mais Christ but Christ par son amour by his love par sa miséricorde by his mercy nous a ressuscité he resurrected us
C'est ça la renaissance. That's the renew. C'est ça la renaissance. That's the rebirth. Lorsqu'on parle de renaissance, when we're talking about rebirth, on parle de résurrection. We're talking about resurrection. Lorsqu'on parle de renaissance, when we're talking about rebirth, on parle d'un nouveau départ. We're talking about new start. Lorsqu'on parle de renaissance, when we're talking about rebirth, on parle d'une nouvelle vie. We're talking about new life. Bien-aimés, beloved, nous avons expérimenté we experimented une renaissance. A new life. Nous avons expérimenté we experimented une résurrection. A resurrection. Nous avons expérimenté la personne de Jésus, by the person of un Christ, nouveau départ, a new start, une nouvelle vie, a newness of life, par la foi en lui. By faith in him, nous étions morts spirituellement, we were dead spiritually, mais également dans tous les domaines de notre vie. Area of our lives, le péché par-ci par-là, by sins, l'échec par-ci par-là, by failure, les problèmes par-ci par-là, by the problem that we had, les maladies par-ci par-là, by the disease that we had, la dépravation par-ci par-là, by depravation, la méchanceté par-ci by par-là, evil ways, le mensonge par-ci by par-là, lies, la jalousie par-ci by the par-là, jealousy, tout ce que nous étions autrefois, everything that we were et tout ce before, que nous faisions autrefois, and everything that we were doing n'était point à la gloire de it wasn't Dieu, to the glory of et en plus God, cela ne marchait pas, and it wasn't working, nous étions dans un état de mort, we were in a state of death. Nous étions emprisonnés. We were imprisoned. Esclaves du we péché. Were slave of sins. Nous étions la propriété du diable. We were belonging to the et devil. Notre vie ne ressemblait and our à lives rien. Wasn't meaning. Mais Christ, but Christ, par sa mort by his death, et par sa résurrection, and his resurrection, il est venu. He came. Il est venu anéantir. He came to defeat. Celui qui avait la puissance de the la mort. The one that had the power of death. C'est-à-dire le diable. The devil. Il est venu. He came, neutraliser l'adversité. And he defeated adversity. Il est venu anéantir. He came and he defeated celui qui a la puissance the one that had the de la power mort. Of death. Voilà pourquoi la Bible that's dit, why the Bible says Hébreux 2 à partir du verset Hebrews 14. 2, ainsi 14, donc, therefore, puisque les enfants because your children participe au sang or participated by blood et à la chair, and by the flesh. Il a également participé lui-même also, he participated, afin que par la mort so by his death, il anéantit he defeated celui the one qui a that had la puissance the power de la mort of death, c'est-à-dire that means le diable. The devil. Bien-aimé, vous devez savoir beloved, you need to know que Satan ne règne que par la mort. Satan is reigning over death. Vous devez savoir you need to know que Satan ne règne that que Satan par la mort, is only reigning over death. Qu'il apporte that he's bringing, la mort he's bringing death dans différents domaines in every area de la vie d'un être humain. Of the life of a human being. Que ce soit dans les affaires, wherever in the business, que ce soit dans les finances, wherever in the finances, que ce soit dans les familles, wherever in the family, que ce soit dans l'éducation, wherever in the education, Satan ne règne que par Satan la mort. Is always reigning by death. Que ce soit dans le média, even in the media, que ce soit dans la culture, in the cultural, que ce soit dans les divertissements, in the divertissement, Satan ne règne là-bas que par la mort. Is always reigning by death. Que ce soit dans le sport, in sports, que ce soit dans le gouvernement, in the government, Satan ne règne que là-bas Satan par la mort. Satan is reigning by death over there. Que ce soit même dans les religions. Even in religion, il apporte également la mort là-bas. Death over alléluia. There. Amen. Vous devez savoir qu'il you règne need to know that he's reigning sur la terre on earth que par la mort. By death. Et lorsque je parle de la mort, when I'm talking about death, je ne parle pas seulement de la mort not physique. Only the physical death. Je ne parle pas également seulement de la mort éternelle. Not only the eternal death. Je parle également de la mort I'm talking about the death dans le domaine des œuvres des ténèbres. In every area of the alléluia. Evil world. Je parle de la mort I'm talking about death. Dans tout ce qui ne glorifie point everything le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, il beloved, ne fait que cela. He's only doing this. Il s'oppose à l'épanouissement de beaucoup. To the fulfillment of il many. S'oppose he's opposing à la réussite de beaucoup. To the success of many. Il s'oppose he's opposing à l'accomplissement de beaucoup. To the fulfillment of il crée many. Des difficultés he's aux gens. Difficulties to people. Il crée des problèmes he's aux creating gens. Difficulties to il crée des maladies aux he's gens. Creating il conduit des milliers de personnes and he's bringing à la dépravation. To deprivation. Il conduit des milliers de personnes he's belonging to à many la dépression, to deprivation. Dans la corruption. In corruption. Il ne règne que par la mort. He's reigning by death. Alléluia. Amen. Tout ça, bien-aimé, everything beloved, dans le seul but in the only goal que chaque être humain each human being n'atteigne pas never le but que Dieu a fixé d'avance that God pour put eux. For him. Et il s'en réjouit. And he's joyful about it. Hallelujah. Amen. Alors, bien-aimé, so beloved, lorsque nous prenons conscience when de cela, we are aware of this, que le diable ne règne que dans la mort, that the devil is always reigning by death, dans différents domaines in every area de la vie des gens, of the life of people, nous devons comprendre que we need to know ce dont la société a besoin, society needs,
C'est Jésus-Christ. It's Jesus Christ. C'est Jésus-Christ. It's Jesus Christ. C'est Jésus-Christ. It's Jesus Christ. Ils ont besoin de celui-là qui est la résurrection. The one that is the resurrection. Ils ont besoin de celui-là qui est la vie. They need the one that is the life. Car ce qui triomphe de la mort, the thing that triumphs from bien-aimé, beloved, c'est la résurrection. It's life. Ce qui triomphe de la mort, what triumphs from death, bien-aimé, c'est la beloved, vie. It's life. Alléluia. Amen. La Bible dit the Bible says que Jésus-Christ a vaincu Jesus defeated le diable et sa mort. The devil and his death. Jésus-Christ a triomphé Jesus triumphed de tout type de mort from every death que le diable pouvait emmener that the devil was bringing dans la vie des gens. In the life of people. Mais bien aimé, pour voir cela and s'accomplir to see this dans votre vie, in your life, vous avez besoin de faire une chose. You need to do one thing, croire en la personne de Jésus-Christ. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, car lui seul dispose de la puissance nécessaire pour triompher de l'adversité. Lui seul a vaincu le diable. Lui seul a vaincu celui-là qui avait la puissance de la mort. Lui seul a vaincu la mort. Alors si vous voulez sortir out, d'un état de mort quelconque, death, vous devez croire en Jésus. You need to believe in Jesus. Vous devez accepter Jésus. You need to accept Jesus. Si vous voulez être sauvé, if you want to be saved, si vous ne voulez point que l'enfer soit if votre you don't partage, want to go to hell, mais si vous voulez accéder au paradis, if you want to go to heaven, bien-aimé, beloved, vous avez besoin d'accepter you Jésus. Need to accept Jesus. Car il est le chemin, la because vérité the way, the truth, et la vie. And the life. Il est celui-là qui conduit au Père. Il est celui-là qui réconcilie avec le Père. Il est celui-là qui donne la vie. Et la vie en abondance. Il est celui-là qui apporte la résurrection. Il est celui-là qui apporte la renaissance. Il est celui-là qui apporte le nouveau départ. Il est celui-là qui donne une nouvelle vie. Si vous voulez que votre vie change, si vous voulez que votre vie évolue, si vous voulez que votre vie ne marche, avance du moins. To go forward. Bien aimé, tu as besoin. God needs. Tu as besoin. God needs. Tu as besoin. God needs. De suivre Jésus. You need to follow tu Jesus. Tu as besoin. You need to follow de Jesus. De suivre Jésus. You need to follow tu Jesus. Tu as besoin. You need to follow. De croire en Jésus. And to believe. Tu as besoin. You need. D'accepter sa vie. To accept his life. Tu as besoin. You need. De l'accepter dans ta vie. To accept him in your life. Bien aimé. Beloved. C'est la seule chose. It's the only thing. Je dirais la chose la plus importante is the most important thing qu'un être humain that a human being puisse expérimenter dans sa can vie. Experiment in his life. Bien aimé, nous pouvons parler de beaucoup de choses. Speak about many things, mais si nous ne croyons pas en Jésus, Jesus, la Bible dit que tant bien même que tu vis, that even if you live, mais tu es mort, you are already dead. Nous pouvons posséder beaucoup de you choses. Can possess many things, mais si nous n'acceptons pas Jésus, if he doesn't accept Jesus, tant bien même que nous possédons toutes even ces richesses, many things, many, mais en vérité, aux yeux de Dieu, nous sommes pauvres. But to the eyes of the Lord, we Jésus are poor, and Jesus est notre richesse. Is the only wealth. Jésus Jesus à notre renaissance. Is our rebirth. Jésus Jesus à notre succès. Is our success. Jésus Jesus à notre vie. Is our life. Jésus Jesus à notre salut. Is our salvation. Jésus Jesus à notre restauration. Is our restoration. Jésus Jesus à notre délivrance. Is our deliverance. Jésus Jesus sauve. Is saving. Jésus Jesus à notre guérison. Is our healing. Je ne sais pas ce que tu vis. I don't know what you're living. Je ne sais pas ce que tu traverses. I don't know what you're going through. Je ne sais pas ce que tu expérimentes. I don't know what you're experimenting. Mais bien-aimé, but beloved, celui-là qui a la capacité the one that is able d'anéantir to defeat le diable the devil et ses œuvres and all his words mortelles dans ta vie, in your life, c'est la personne is the person de Jésus of Jesus que j'aimerais bien-aimé que tu acclames ce matin. You shout a praise for him this morning. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est ma renaissance. Jesus is my rebirth. Jésus délivre de la pauvreté. Jesus is freeing from poverty. Jésus délivre de la maladie. Jesus is freeing from disease. Jésus délivre de la possession. Jesus is delivering Jésus from possession. Délivre de la de Jesus l'oppression. Is delivering from oppression. Jésus délivre. Jesus is freeing. Il délivre. He's freeing. Il délivre des difficultés. He's freeing from difficulties. Jésus change des vies. Jesus changes lives. Jésus change des caractères. Jesus changes behavior. Jésus change des comportements. Jesus changing behavior. Jésus sauve. Jesus saving. Il sauve. He saves.
Tu es fatigué de ta vie. Tu es fatigué de ce que tu vis. Tu es fatigué de ce que tu traverses. Tu es fatigué de ce que tu expérimentes. Je suis venu te présenter une personne ce matin qui est la solution à ce que tu vis. Et son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est le ressuscité. Son nom, c'est la renaissance. Son nom, c'est le nouveau départ. Son nom, c'est la vie. Alléluia. Bien-aimé, une renaissance est possible. Elle est possible. Si seulement tu crois en Jésus. La renaissance, the rebirth, le renouveau, the new renew, le nouveau départ, a new start, c'est une nouvelle vie. A new life. Elle est possible, it's possible si tu crois en Jésus. If you believe in Jesus. Oui, bien-aimé, tu souffres. Yes, beloved, you are suffering. Je suis venu te dire ce matin, I'm telling you this morning, une renaissance est possible en Jésus-Christ. Is possible in Jesus Christ. Oui, tu pleures. Yeah, you cry. Une renaissance est possible a rebirth en Christ. Is possible oui, in Jesus. Tu es malade. Yeah, you are une renaissance, a rebirth, une résurrection, a resurrection est possible. It's possible. Oui, en Christ. In Christ. Tu avais un organe, you are an organ malade, that was sick. Une résurrection, a resurrection est possible, is possible à ce niveau-là. To his level. Bien-aimé, beloved, tu avais commencé mal, you started bad, mais un nouveau départ but you start est possible, is possible dans ta vie. In your life. Jésus, Jesus, 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 Jésus, Jesus, Jésus, Jesus est la solution, is the solution pour nous qui croyons for en lui. Us that we believe il in nous him. A donné une nouvelle vie. Pour nous qui croyons en lui, il nous a donné un nouveau départ. Pour nous qui croyons en lui, il a changé notre vie. Pour nous qui croyons en lui, il nous a donné de l'espérance. Pour nous qui croyons en lui, il nous a donné de l'espoir. Pour nous qui croyons en lui, il pourvoit chaque jour à tous nos besoins. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Jésus est ressuscité. Jesus is resurrected. Jésus donne la résurrection. Jesus gives resurrection. Jésus donne un nouveau Jesus départ. Gives new start. Jésus accorde une renaissance. Jesus gives a rebirth. Jésus donne une nouvelle vie. Jesus gives a new life. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Somebody this morning. Que tu sois whatever you are, chrétien, Christian, le problème que tu vis, your problem that la you're living, solution se trouve the en solution Jésus. Is in Jesus. Jésus, simplement. Jesus. Only. Jésus. Jesus. En dehors de lui, without him, il n'y a pas de solution. There's no solution. Je dirais que les solutions que tu trouveras seront éphémères. That will be alléluia. Alléluia. Amen. Parce que derrière tout ce because que nous pouvons vivre this, se cache l'œuvre de l'adversité. Is hiding the adversity. Et bien aimé, la capacité beloved, humaine you are not able ne peut vaincre le diable. To defeat the devil. L'intelligence humaine the smartness ne of peut the human vaincre le diable. Cannot defeat the devil. Celui qui l'a vaincu. The only one that defeated celui him. Qui l'a dépouillé. The only one that stripped celui him qui away. L'a publiquement livré the en spectacle. Publicly c'est Jésus-Christ. It's Jesus. Et la personne dont tu as besoin the person that you need pour vivre la délivrance, to live deliverance, pour vivre la restauration, to live restoration, à tout ce que tu vis, to everything that you live, à tout ce que tu traverses, everything that you're going through, c'est Jésus. It's Jesus. Tu l'as déjà accepté. You already accepted him. Tu dois t'attacher à lui davantage. To him. Lorsque or, tout va mal, when everything is going wrong, parle à Jésus-Christ. Talk to Jesus. Lorsque tout est compliqué, when everything is complicated, parle à Jésus-Christ. Talk to Jesus. Lorsque tout semble difficile, when everything is difficult, parle à Jésus-Christ. Talk to Jesus. Lorsque tu ne comprends pas certaines when you choses, don't understand things, parle à Jésus-Christ. Talk to Jesus. Il est la solution. He is the solution. Il voit ce que tu ne vois you pas. See that what you don't il see. Sait ce que tu ne sais pas. He et il peut ce que know. Tu ne peux pas. And he can what you alléluia. Amen. Je vais parler également à I toute personne to ici person qui n'avait pas encore accepté Jésus-Christ Jesus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Bien-aimé, en dehors beloved de Jésus-Christ, Jesus, c'est la mort. It's death. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Day, toi-même, hour, tu ne sais pas you doesn't know quand est-ce que tu quitteras sur cette terre. Ça peut venir it can happen d'un jour à un autre. Alléluia. Another, et lorsque and when tu quittes cette terre you will leave earth, sans la personne de Jésus-Christ, laisse-moi te dire let me tell you, qu'il n'y a pas un autre endroit no other place où tu iras when you will si go. Ce n'est
en enfer. Parce que le seul chemin qui conduit au paradis, le seul chemin qui conduit tout être humain à la présence de Dieu, c'est Jésus. Et la condition, c'est que tu croyes en cette personne-là. La condition, c'est que tu acceptes cette personne. Ton argent ne te conduira pas dans la présence de Dieu. Tes possessions ne te conduiront pas dans la présence de Dieu. Tout ce que tu as pu acquérir jusqu'à maintenant, en dehors de la personne de Jésus, tu ne peux accéder à la présence de Dieu. Je suis venu même te dire que les œuvres de l'adversité, ton intellect, ta possession, tout ce que tu peux être ne peuvent les empêcher de te nuire. La seule personne qui peut te préserver, la seule personne qui peut te couvrir, la seule personne qui peut te rendre invisible, inaccessible, intouchable aux yeux de l'adversité, c'est la personne de Jésus. Bien-aimé, tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Tu dois l'accepter. Tu dois accepter sa vie. Lorsque tu acceptes sa vie, lorsque tu acceptes sa vie, ta vie change. Your life changed. Parce qu'en vérité, truth, il devient un avec toi. He's one with you. Je ne sais pas. I don't know. Tu as eu beaucoup de choses. You had many mais things, tu n'es pas en paix. But you're not peace. Jésus-Christ est la paix. Jesus is peace. Tu as eu beaucoup de choses. You had many things, mais tu es malheureux. But you are, Jésus-Christ est la joie. Jesus is joy. Tu as eu beaucoup de choses. You had many things, mais tu es malade. But you're sick. Jésus-Christ est la guérison. Jesus is health. Tu as eu beaucoup de choses. You had many things, et tu ne dors pas la nuit. And you don't sleep at night. Jésus-Christ. Jesus Christ. La délivrance. Tu as eu beaucoup de choses. Tu es tourmenté. Tu es dépressif. Rien ne va dans ta famille. Jésus-Christ est la restauration. Je suis venu te dire ce matin, en dehors du ressuscité, en dehors de celui-là qui est la vie, en dehors de celui-là qui est la guérison, en dehors de celui-là qui est la vie, en dehors de celui-là qui est le salut, rien de bon ne pourra se passer dans ta vie pendant qu'il est temps. Accepte Jésus. Accept Jesus, et ta vie changera. And your life will change. Accepte Jésus. Accept Jesus. Accepte Jésus. Accept Jesus. Accepte Jésus. Accept Jesus. Accepte le bon berger. Accepte l'étoile brillante du matin. Accepte le rejeton de David. Accept the son of David. Accepte l'étoile brillante du matin. Accept the morning stars. Accepte le lion de la tribu de Judas. The lion of the tribe of Judas. Accepte Jésus. Accept Jesus. Et tout cela and everything qui criait contre toi that was shouting against you seront réduits au silence. Will be defeated. En dehors de Jésus, without Jesus, il n'y a pas de solution. There's no solution. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. En dehors de Jésus, without Jesus, il n'y a pas de solution. There's no solution. En dehors de Jésus, without Jesus, le diable peut rentrer dans ta maison can enter in your house et faire ce qu'il veut. And do whatever he wants. C'est Jésus ton bouclier. It's Jesus that is your, c'est Jésus ta haute retraite. Is your strong c'est Jésus power. Ta bannière. Is your banner. C'est Jésus ton rocher protecteur. Is your rock. C'est Jésus ta délivrance. Is your deliverance. C'est Jésus qui ne dort ni ne sommeille the one that doesn't pour sleep ta vie. For your life. C'est Jésus is the one qui peut donner un sens that à ta vie. Give a sense to your life. Non seulement not only, il te donne la vie éternelle, he gives you eternal life, mais également, but also, il apporte la résurrection dans tous les domaines de ta vie. Area of your life. Tout ce que le diable avait everything tué en toi, tout ce que le diable avait endormi en toi, and slept in you, toutes ces choses expérimentent la renaissance. Rising again. Toutes ces choses expérimentent la résurrection. Rising again. Toutes ces choses expérimentent la vie et la vie life. En abondance. Abundantly. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Can you clap for Jesus? Est-ce que tu peux acclamer Can Jésus? Can you clap for Jesus? Hallelujah. Amen. Jésus est la renaissance. Jesus is rebirth. Et je veux finir avec cela. And I want to finish with this. Je veux parler I want to talk aux enfants de Dieu. To the children of God. Vous qui avez expérimenté you ce nouveau départ. This new start. Vous qui avez expérimenté cette you résurrection. That experimented this resurrection. Vous devez you need aller to go et dire
and tell dans Jésus, that in Jesus, la renaissance, there's rebirth, la résurrection, resurrection est possible. It's possible. Car beaucoup souffrent dehors. Because many are suffering. Beaucoup souffrent dehors. Many are suffering outside. Quand nous voyons tout ce qui se when passe dehors, everything that happening outside, beaucoup souffrent dehors. Many people are suffering. Chaque jour, il y a des vies qui se suicident. People are suicidal. Beaucoup souffrent dehors. Killing themselves. Chaque jour, il y a des vies qui meurent. Every day, there are people sans avoir connu Jésus. Without knowing Jesus. Chaque jour, il y a des vies every day, qui sont conduites there's life that en enfer, bien-aimés. To hell, beloved. Ils ont besoin de Jésus. Jesus. Pendant qu'il est temps, as it's time, vous avez expérimenté la vie. Life. Vous avez expérimenté un nouveau départ. Vous avez expérimenté une renaissance. Allez-y, dis aux gens dehors. Outside, tous ceux-là qui ont le cœur abattu. Tous ceux-là qui n'ont plus d'espoir. Tous ceux-là qui n'espéraient plus en la vie. No tous ceux-là qui n'espéraient plus en quoi que ce soit. Bien-aimés, allez-y leur dire qu'il y a de l'espoir. Une vie nouvelle est possible. Une vie nouvelle est possible. Un nouveau départ est possible. En la personne de Jésus. Allez leur dire qu'on peut commencer mal et finir bien en Jésus. Allez leur dire qu'on peut être pauvre au départ et expérimenter la richesse en Jésus. On peut être possédé au départ et expérimenter la délivrance. On peut être dans la tristesse au départ et expérimenter la joie. Dites-leur qu'une renaissance est possible. Je parle à une vie ce matin. Une renaissance est possible. Une renaissance est possible. Une renaissance est possible. Une renaissance est possible. Tout ce qui était mort en toi expérimente la renaissance. Tout ce qui était endormi en toi expérimente le réveil. Une renaissance est possible. A rebirth is possible. On t'avait accablé. You were defeated. On t'avait hué. You were humiliated. On t'avait accusé. You were accused. On t'avait rejeté. You were rejected. On t'avait abandonné. You were abandoned. On n'avait pas cru en toi. We didn't believe in you. L'opprobre était ton partage. Shame was your sharing. La honte était ton partage. Shame was your sharing. Je te dis ce matin, I'm telling you this morning, en la personne de Jésus-Christ, in the person of Jesus Christ, l'opprobre est ôté. Shame is, la is honte no more. Est ôté. Shame is no more. Une renaissance a rebirth devient possible is pour possible toi. For you. Une renaissance a rebirth devient possible is pour possible toi. For you. La Bible dit the Bible says que Joseph a été rejeté par ses frères by his brothers et par Potiphar. And by Potiphar. Mais il a expérimenté une renaissance. A rebirth, une renaissance. A rebirth, une renaissance. A rebirth, une renaissance. A rebirth, par sa foi en l'Éternel. By his faith on the Lord, tu peux commencer mal. You can start mais bad, un nouveau départ but a new start est possible. Is possible. Un nouveau départ a new start est possible. Is possible. Un nouveau départ a new start est possible. Is possible. Un nouveau départ a new start est possible. Is possible. Où la stérile enfante well, the one that où le malade child, est guéri when the sickness is où le boiteux marche when the one that doesn't work, où le walk, pauvre se réjouit when the poor is où celui ou celle qui était dans la tristesse et dans the la joie sad is joyful, une renaissance a est possible is possible en Jésus in Jesus Christ, où l'abandonné the one that was abandoned, retrouve une famille as a family now, une renaissance a est possible, is possible en la personne de Jésus the person of Jesus Christ. Bien aimé, si vous le beloved, croyez, if you believe this, vous devez sortir. You need to go vous out. Devez parler aux membres de vos familles. Vous devez members. Parler à vos proches. You need to vous tell devez your parler one. À vos amis. You tell your friends. Vous devez parler à vos fiancés. Your fiancé. Vous devez parler à votre mari. Your husband. Vous devez parler à votre femme qui your ne croit pas encore en Jésus. Doesn't believe in vous God. Devez parler à vos collègues. You need to talk to your colleagues. Qu'une renaissance. There's a rebirth. Qu'un renouveau. A new start. Qu'une résurrection, a resurrection, qu'un salut, a salvation, est possible, is possible, en la personne, in the person, de Jésus Christ. Of Jesus Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Can Seigneur? Can you clap for Jesus? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Can you clap for Jesus? Alors, bien-aimés, so beloved, célébrer la Pâque pour nous, to celebrate Easter for c'est us, célébrer la résurrection de Christ. Celebrate the resurrection of Jesus. C'est célébrer la mort et la résurrection celebrate de Christ. The death and the resurrection of Jesus. Mais célébrer la Pâque pour nous, and to celebrate Easter for c'est us, célébrer notre mort our death also, en notre ancienne vie to our old life, et notre résurrection and our resurrection, en nouveauté de vie en in Christ. Newness of life in Christ. Bien-aimés, beloved, célébrer la Pâque, to celebrate Easter, ce n'est pas seulement crier, not only to shout, ce n'est pas seulement sauter, it's not only to jump, ce n'est
pas seulement crier. It's not only to jump. Ce n'est pas seulement manger. It's not only to eat. Mais célébrer la Pâque. To celebrate Easter. C'est aussi se souvenir. To remember. Qu'en Christ, in Christ, nous sommes morts. We died. En notre ancienne vie. To our old life. C'est se souvenir. It's to remember. Que nous sommes nés de nouveau. That we are born again. Pour une vie to a life agréable à Dieu. That is pleasing to God. C'est ça se revêtir. That's what to en be tant qu'enfant de Dieu. As a children of God, nous devons nous revêtir, bien-aimés, we have to be adorned des vertus du Seigneur. With the virtue of the Lord. C'est aussi célébrer la Pâque. It's also celebrate Je l'ai dit Easter. L'année dernière I told him last year que la fête de la Pâque that the party of Easter ne se célèbre pas seulement is not only un jour dans l'année, one day in the year, mais la Pâque But Easter se célèbre is to be celebrated chaque jour de notre every vie. Day of our life. Parce que chaque jour de Because notre vie, every day of our life, nous nous souvenons we remember qu'un jour, that one day, nous sommes morts en Christ, we died in Christ et nous sommes ressuscités. And we were resurrected. Et célébrer la Pâque, and to celebrate Easter, c'est se souvenir chaque jour de notre vie each day of our life, que nous sommes morts en notre ancienne that we vie died in our whole life, et nous sommes ressuscités that en nouveauté de vie. In newness of life, et que nous devons marcher and that we need to walk dans les voies de Dieu. In the way of God. Lorsque je marche dans les voies when de I'm Dieu, walking in the way of God, je suis en train de célébrer la I'm Pâque. Celebrating Easter. Lorsque je revêtis, bien-aimé, when I'm adorned, les vertus de Christ. The virtue of God, je suis en train de célébrer la Pâque I'm celebrating Easter parce que j'ai la pleine conscience I'm truly que aware je suis mort that I'm dying en mon ancienne to vie my old life et que je suis né and I'm reborn en nouveauté de vie. In newness of life. Je dois revoir mon langage. I have to change je my dois languages. Revoir ma façon de I voir have les to choses change the way I see things qui n'étaient point à la gloire that de Dieu. Wasn't to the glory je of dois God. Revoir mes attitudes. I have to je dois revoir mes actions. Differently. Je dois revoir toutes choses en everything moi. In me Alléluia. Et je dois m'assurer que ma vie honore et glorifie Jésus. Alléluia. Amen. Vous êtes mort. You died. Vous les croyants, vous êtes mort. The believer, you died en votre ancienne vie. To your old life. Vous êtes délivré you are delivered de l'esclavage from du péché. The slavery of sin. Vous êtes délivré you are delivered de l'esclavage du péché. From the slavery of sin. Vous n'avez plus you don't have de faiblesse face au péché. No weakness towards mais sins. La Bible dit But the Bible says que vous êtes délivré that du you are péché delivered from sin, de sa domination, the domination of sin, de sa puissance, the power of sin, de son règne sur votre vie. The reign of the sin vous of devez your y croire en cette need to parole. Believe in this word. Vous devez saisir cette you parole. Have to take this word, car dorénavant, because now, vous n'êtes plus obligé de dire oui au péché. Yes vous the, n'êtes plus obligé de dire oui à ces choses-là yes qui n'étaient point à la gloire de Dieu. The glory of God. Vous avez reçu la capacité you received ableness, par la grâce de Dieu de dire non by à ces choses-là. Of God to say no to those things. Alors bien-aimés, célébrer so, la Pâque, celebrating c'est Easter prendre conscience qu'en moi réside in me, la grâce de Dieu is the grace of God qui m'a délivré that deliver me de l'esclavage du from péché the slavery of sin et qui m'a donné la capacité and gave me the ableness devant n'importe quelle tentation de l'adversité every temptation of the adversity de dire non, to say no, de dire non, to say no, de dire non, to say no, de dire non, to say no. Vous devez laisser le mensonge. You have to let the lies. Vous devez laisser la jalousie. You have to let jealousy. Vous devez laisser l'hypocrisie. You have to let hypocrisy. Vous devez laisser les querelles. You have to let vous devez laisser la convoitise. You have to let what vous devez laisser l'impudicité. You have to let impudicity. Vous devez laisser l'adultère. You have to let adultery. Vous devez laisser toutes ces choses qui ne sont everything point à la gloire de Dieu. The glory of God. Car célébrer la Pâque, to celebrate c'est Easter, être conscient to be aware que en Christ, in Christ, je suis mort I am dying en mon ancienne vie my old life, et que je suis ressuscité I am resurrected en nouveauté de vie. In newness of life. Honorez Dieu. To honor God, vivez live cette vie nouvelle, new life, cette vie de résurrection, life of resurrection, cette vie de renaissance. Life of rebirth, vivez live ce nouveau départ, this new start, cette nouvelle vie en Christ. This new life in Christ. Détournez-vous turn away des œuvres de l'adversité. From the evil work. Détournez-vous turn away des voies de l'adversité. From the way of the evil. Et tournez-vous and turn yourself vers celui-là the one qui vous a donné that give you un nouveau départ. A new start. Un nouveau départ. A new start. Même si ça ne va pas. Even if it's going même wrong, si c'est compliqué. Even if it's complicated, tournez-vous vers lui. Turn to God. Parlez talk à Jésus-Christ. To Jesus. Confiez
toute chose à Jésus, everything, il vous sortira de cette situation. Of your situation. Il y a de l'espoir en Jésus. There's hope in Jesus. Il y a la vie en Jésus. There's life in Jesus. Il y a le salut en Jésus. There's salvation in Jesus. Il y a tout ce dont nous avons There's besoin everything that we need en la personne de Jésus. The person of Jesus. Car en lui habite so in him, corporellement is living toute la plénitude de la divinité. Everything of the Et divinity, nous avons tout pleinement en lui, and we have everything in him, qui est Jésus-Christ, that is Jesus, le chef de toute autorité, the head of every de toute domination, of every domination et de toute principauté. Every principality. Jésus-Christ Jesus est le best. Is, Jésus-Christ is the best. Est le king. Le roi. Jésus-Christ Jesus Christ est le sauveur. Is the savior. Jésus-Christ Jesus Christ est le libérateur. Is the free. Jésus-Christ Jesus Christ est le guérisseur. Is the healer. Jésus-Christ Jesus Christ est le restaurateur. Is the restorator. Jésus-Christ Jesus Christ est notre grâce, is our grace, our est mercy, notre amour, is our love, est notre papa, is our father, est notre père, our father, Jésus-Christ, Jesus Christ, est tout ce dont nous avons besoin. That we need. Acclame Jésus. Clap for Jesus. 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 Alors ce matin, so this morning, je vais poser la question à une personne. To ask this question to a person. Si quelqu'un en ce lieu n'avait pas encore Somebody accepté la vie de Jesus. Jésus. Alléluia. Amen. Si quelqu'un en ce jour If on this day, a compris ce que c'est la Pâque. Understand what is Easter, et si quelqu'un en ce jour veut expérimenter un nouveau départ, a new start, veut expérimenter une renaissance, experiment a rebirth, oui, tu as yes. la possibilité de le faire ce matin en levant la main. To do it by raising your hand, si tu es là pour la première fois, here for the first time, ou si tu as l'habitude de venir que tu n'as pas encore accepté Jesus, Jesus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, de là où tu es, Lord, tu peux simplement lever les mains. Just raise your hand. Jésus donne la vie Jesus éternelle. Life, eternal life. Jésus sauve. Jesus saves. Si tu crois en lui ce matin, morning, ou du moins si tu veux l'accepter ce matin, tu peux lever la main. Tu es aussi peut-être en ce lieu. You are also in this place. Tu croyais en lui. You were believing in him. Mais à un moment donné de But ta vie, a moment in your life, tu t'es éloigné. You get away. Tu t'es écarté. You get away. De la vie de l'Église. From the life of the church, des choses de Jésus-Christ. The thing of Jesus Christ. Aujourd'hui, Today, tu veux recommencer you avec want to lui. Start again. Tu veux prendre un nouveau départ avec lui. A new start with him. Tu veux revenir à lui. You want to come back to him. Tu peux aussi lever la main you de là où tu es. Also, tu peux aussi lever la main de là you où tu es. Raise your hands from where you are. Maintenant, bien aimé, on acclame le Seigneur pour nos deux. Jeunes gens Lord qui sont là, on acclame people. Le Seigneur. Si tu veux le faire, tu lèves la main. You can raise your hands. Alléluia. Amen. Alléluia. Si Amen. Tu veux recommencer If you want to start avec again Jésus, with Jesus, tu avais abandonné you abandoned l'Église. Church, le chemin de l'Église. The way of church, tu avais abandonné les choses chrétiennes. Everything of the Christ, aujourd'hui, today, tu veux prendre un nouveau départ. Want to take a new start, lève la main. Just raise your hand. On acclame le Seigneur, on acclame clap le Seigneur. On acclame le Seigneur là-bas. Je vais simplement vous demander de vous tenir just debout. To rise up, juste vous tenir debout. Just to rise up, et vous allez répéter après moi. Repeat tous ceux-là me. Qui veulent prendre un nouveau départ avec Every Jésus. That want to start again with Jesus. Jésus-Christ vous aime. Jesus levez-vous. Loves levez-vous. You. Levez-vous. Rise up. Levez-vous. Stand up. Jésus-Christ vous aime. Jesus loves you. Jésus-Christ ne vous juge pas. Jesus doesn't judging you. Jésus-Christ se réjouit Jesus ce matin is rejoicing this morning de ce pas que vous posez that you are doing en ce lieu. This. In this place. Et Jésus-Christ vous accueille avec Jesus joie. Sachez-le. Alors répétez après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je reviens à toi. Je te prie de me pardonner pour ma vie passée. Aujourd'hui, je reviens à toi. Tu es ma vie. Tu es mon salut. Tu es ma protection, tu es ma bénédiction, tu es ma résurrection, tu es ma renaissance. Aujourd'hui, je reviens à toi. Seigneur Jésus, voici ma vie. Donne-moi de vivre ce nouveau départ avec toi. Donne-moi de recommencer avec toi.
Et Seigneur, par ta grâce, cette fois-ci, donne-moi de tenir dans la marche avec toi et donne-moi de demeurer dans tes voies pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Asseyez-vous, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? 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 Can we clap for Jesus? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Glory to God. Nous allons simplement prier. We'll just pray. Bien-aimés, nous pouvons venir ici une fois chaque année. One time each year. C'est une bonne chose. It's a good thing. Nous pouvons venir à l'église we can come to church une fois chaque année pour célébrer every la Pâque. Time, one year to c'est une bonne Easter, chose. It's a good thing. Mais comprends but we need to understand la pensée de Dieu the thing of God concernant concerning cette célébration-là. This party, il veut que ce soit tous les jours. He want this to be every alors day. Ne viens pas une seule don't fois come just one time, à l'année à l'église, mais viens just come chaque dimanche. Every Sunday. Pour lui rendre toute la gloire glory, et également dans ton quotidien bénis life, Dieu toujours pour le salut et pour la résurrection qu'il t'a accordée. Élevons la voix et disons-lui raise merci. Your voice and say thank you. Disons-lui merci, disons-lui say merci. Thank you. Disons-lui merci. Say 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 thank you. Dieu lui merci pour ce nouveau départ. Dieu lui merci pour cette renaissance qu'il t'a accordée le jour de ta conversion. Dieu lui merci pour cette renaissance qui ne cesse de t'accorder dans les divers domaines de ta vie. Dis-lui, Seigneur, je crois en toi. God, I believe in you. Je crois que tout est possible. God, I believe that everything is possible. Seigneur, voici ma vie. This is my life. I'm giving dirige ma vie. Dirige mes pas. Lead my way. Conduis mes pas. Lead my path. Impulse toutes choses en moi. Give everything in me. Glorifie ton nom. Glorify your name. Dans ma vie. In my life. Pour la gloire de ton for nom. The glory of your name. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Somebody say amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire can amen? On acclame Jésus. Amen. And clap for Jesus. Hein? Acclame Jésus. Can somebody say amen and clap for Jesus? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Asseyez-vous. Glory asseyez-vous. To God, you can be seated. J'ai deux annonces à vous apporter. To say. La première annonce, the first thing is, c'est que is that l'équipe des monitrices là-haut. The team of l'école du dimanche, the children keeper, alléluia, Sunday church, a besoin des ouvriers. Need workers. Ils sont un peu débordés parce qu'il y a beaucoup they d'enfants. Not keeping with the path alors, of the children. La nursery, so, nursery de l'école du dimanche en recrute. The Sunday church is alléluia. S'il y a des personnes qui ne servent pas encore Dieu dans cette assemblée, church, qui veulent servir Dieu serve Lord, auprès des enfants les dimanches, children, Sunday, vous pouvez bien aimer you can, contacter, du moins, ou vous rapprocher de la servante de Dieu, Katie. Alléluia, est-ce qu'elle est là? On acclame le Seigneur Jésus-Christ pour sa vie. She's upstairs. Et la deuxième annonce, the second thing, il était prévu qu'en ce jour, we, nous célébrons la Pâque we were en parole, to celebrate mais que nous célébrions également la Pâque and to eat, en consommant l'agneau. To eat the lamb. Alléluia. Amen. Et le temps n'est pas but favorable pour nous, la météo, parce que tout ce week-end, favor, il a plu. Raining, et selon la météo, aujourd'hui, il allait faire froid. Habituellement, c'est une grande fête ici. Cold. Nous ouvrons les portes, il y a des tentes. Nous a sommes dehors, il y a le barbecue géant. Barbecue, mais malheureusement, aujourd'hui, avec ce temps, today, nous ne pouvons pas le faire. Weather, et it. Nous avons reporté, en tout cas, le grand barbecue géant à une date ultérieure. Certainement, dans deux dimanches, nous serons ici et nous allons célébrer ce moment-là tous ensemble. Alors acclame le Seigneur Jésus pour cela. On n'a pas voulu que tu tombes malade. Parce qu'habituellement, on ouvre tout ici
Il y a des tentes, il y a des chaises, tout le monde est dehors, on occupe tout l'extérieur, mais il fait froid, il pleut, it's raining, et il y a du vent, et apparemment il va pleuvoir même. Gloire à Dieu. Habituellement, la Pâque, c'était en avril, mais cette année, c'est en mars. Donc, ça s'est rapproché, alors qu'en avril, il y a du soleil. On espérait que c'était fait beau, that will be sunny, mais le temps n'est pas favorable pour nous, mais nous bénissons Dieu en tout temps et en tout lieu. Et je vous donne rendez-vous dans deux dimanches par la grâce de Dieu pour le grand barbecue géant. Acclame Jésus-Christ. Amen. Dieu bénisse vos vies. God bless your lives. Sans plus tarder, je vais appeler la prophétesse. Pour les derniers moments, on acclame le Seigneur pour sa vie. Thank you. Alléluia. Est-ce que vous pouvez vous lever et acclamer le Seigneur? Acclamez les ressuscités. Alléluia. L'acclamez, acclamez, acclamez, acclamez le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je vous demande pardon pour ma voix. Quand le Père a la vision, les fils exécutent. J'ai exécuté les 24 heures de prière non-stop. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire un passage dans la Bible. Il s'agit de Exode 12, si la régie peut l'afficher. Exode 12, le verset 11. Alléluia. La Bible dit, « Quand vous le mangerez, on parle de l'agneau, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. » Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés, c'est la première fois que le mot Pâque est cité dans la Bible, dans ce passage. Et nous remarquons que cette Pâque se passe dans un contexte de délivrance. Alléluia. Mais ce qui est remarquable ici, c'est que la première fois qu'on parle de la Pâque, on parle de manger. On ne parle pas d'abord de pleurer pour la mort et pour la résurrection de se réjouir, mais on parle de manger la Pâque. Alléluia. C'est pourquoi nous commémorons aujourd'hui la Pâque, c'est-à-dire le mystère de tout temps. Alléluia. Le mystère de tout temps qui nous a été révélé. Paul le déclare ainsi dans 2 Corinthiens, au verset 5, le verset 21, il dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Alléluia! C'est ce que nous commémorons aujourd'hui. C'est la commémoration d'une alliance nouvelle par le moyen de la rédemption qui ne peut s'obtenir que par le sang. Bien-aimés, je vous dis tout cela parce que nous allons manger à la table du Seigneur. Alléluia. Dans le contexte de l'époque, les Juifs ne mangeaient pas avec n'importe qui. Les Juifs ne mangeaient pas avec les étrangers. Parce que quand tu manges avec quelqu'un, tu fais alliance avec lui. Il te donne ce qu'il a et toi tu lui donnes ce que tu as. Alléluia. Alors lorsque le Seigneur Jésus... sentant arriver le dernier moment, il dit à ses disciples, « J'ai souhaité manger cette Pâque avec vous. » Alléluia. Alors, il leur a dit d'aller trouver un endroit. Mais il ne voulait pas simplement un endroit. Il voulait un lieu, une atmosphère pour les communiquer les nouveaux mystères, pour les communiquer une nouvelle alliance. Voilà pourquoi dans cette chambre haute ce jour-là, la Bible nous dit, c'était un moment particulier. Jésus a dit à ses disciples, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, « Prenez ceci et mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, « Ceci est mon sang. » Le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission
des péchés. Alléluia. Jésus précise dans Luc, Jésus leur dit, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire ce matin. Bien-aimés, lorsque Jésus leur donne ce pain et ce vin, lorsqu'il leur dit, mangez, c'est mon corps, buvez, c'est mon sang. Et lorsqu'il sort de cette chambre haute pour aller à Gethsemane, il sait qu'il a déjà vaincu le diable. Parce qu'il a déjà pris la nature du péché et il a déjà libéré l'être humain. Il a déjà pris notre place en mangeant cette Pâque. Et toi aussi ce matin, pendant que tu vas manger en commémoration, parce qu'il a dit « faites ceci en mémoire de moi », pendant que tu vas manger ce pain et ce vin ce matin, souviens-toi que tu revêts une nouvelle nature. Souviens-toi que Jésus, ce jour-là, a inauguré une nouvelle race sur la terre. Une race d'êtres humains capables de dominer le péché. Une race d'êtres humains dont la mort n'a plus d'emprise sur eux. Capables de ressusciter, même quand ils sont morts, ils vivront encore. En prenant ce vin et ce pain ce matin, souviens-toi qu'il y a la vie dedans. Souviens-toi qu'il y a la vie dedans. Souviens-toi que la mort n'a plus d'emprise sur toi. Parce que ce qui donnait le pouvoir à la mort, c'était le péché. Et le péché, Jésus l'a pris sur lui pour faire de nous justice de Dieu. Alors si tu crois en prenant ce vin, quelle que soit la maladie, quel que soit le déblocage, si tu le crois, tu ressuscites. Tu ressuscites. Tout ce que l'ennemi avait mis comme mort dans ta vie est ressuscité et régné aujourd'hui. C'est dans cet état d'esprit que tu vas prendre la Sainte-Cène ce matin. Alléluia. Alors si tu es baptisé par immersion, tu vas te mettre debout. Les serviteurs vont te donner le pain et le vin. Nous allons attendre que tout le monde soit servi. Et nous allons manger la Pâque de l'Éternel. Jésus est la résurrection. Il a donné sa vie pour moi. Il a gagné le combat, il est l'agneau de Dieu. Si je vis, si je respire, c'est pour ta gloire, oh mon Jésus. Jésus est la résurrection. Pendant que tu attends, tu pries, tu déclares de Dieu. La foi parle. Parle à ce pain et à ce vin. Commande la résurrection que tu veux voir dans ta vie. Prie, bien-aimé. La mort et la vie sont au pouvoir de ta langue désormais. Ma
Solennel de notre célébration, le moment des offrandes. Si tu n'étais pas là lorsqu'on a fait la première offrande, ou après avoir entendu encore ce que le Seigneur a fait pour toi et tu veux s'aimer sur cette parole que nous avons entendue ce matin, tu vas prier, tu vas prendre ton offrande, tu vas prier dessus et tu vas venir offrir à Dieu. Tu es
bien-aimé, et quand tu as fini, tu viens s'aimer avec joie dans la maison, afin qu'il ne manque de rien dans la maison de ton Père. Tu es le seul dont j'ai besoin. Jésus, tu es tout pour moi. Tu es le seul. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Jésus, tu es tout pour moi. Et louer le Seigneur avec le groupe musical. Célébrer. C'est une journée de célébration. Mon ami, c'est toi. Tu as essuyé les larmes de mon enfance. Ma consolation. Tu as essuyé les larmes de ma famille. Ma consolation. Oh, ma consolation. 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 Apportons, Seigneur, c'est toi qui nous l'as donné. Nous apportons ce peu avec la ferme assurance qu'étant le Dieu de la multiplication, tu le multiplieras, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Toi qui donnes la semence au semeur, nous prions que tu augmentes la semence dans la vie de tes enfants, Seigneur, que nous puissions encore s'aimer davantage. Bénis chacun d'entre nous. Que le ciel demeure ouvert dans nos vies. Que le dévoreur soit menacé. Au nom de Jésus-Christ, nous t'apportons, Seigneur, avec action de grâce. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Notre moment tire presque à sa fin. Je voulais juste savoir s'il y a des personnes qui nous rendent visite pour la toute première fois ce matin. Si vous êtes là aujourd'hui pour la première fois, levez simplement la main. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous êtes là pour la première fois, levez-vous s'il vous plaît. C'est une joie de vous accueillir. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut aller les saluer? Ceux qui sont à côté, témoignez-leur de l'amour de Christ. Ma consolation, ma consolation. Alléluia. Restez debout, s'il vous plaît. Une maison qui reçoit, c'est une maison qui est bénie. Nous voulons simplement, on va vous passer un micro. Vous allez nous dire quel est votre prénom et la personne qui vous a invité ou comment vous êtes arrivé jusqu'ici ce matin. Amen. Allez-y, mon frère. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Terry. Et c'est la sœur Alex qui m'a fait venir. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La sœur à côté. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Solène et c'est ma tante Laura qui m'a invité. Bienvenue Solène dans la maison du Seigneur.
Bienvenue, Alexandre. Oui. Bonjour. Moi, je m'appelle Malcolm et c'est mon ami Kélian aussi qui m'a invité. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Derrière. Moi, c'est Annick. Mais je ne sais pas Internet ce que je. Amen. Dieu vous bénisse. Moi, c'est Grâce. Et c'est par Internet aussi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur qui ajoute les âmes dans sa maison? Allez-y. Bonjour, moi c'est Noémie et j'ai reçu l'invitation du pasteur Jean-Philippe. Bienvenue à la maison du chandelier. Oui. Bonjour, moi c'est Rachel et également le pasteur Jean-Philippe qui vous a invité. Amen, vous êtes les bienvenus. Bonjour, moi c'est la sœur Nathanelle et c'est pasteur Jean-Philippe qui nous a invités aussi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la maison du chandelier? Grâce transformation. Alléluia. Amen. À la fin du culte, ne partez pas s'il vous plaît. Mettez-vous simplement là à la mezzanine, il y a un pasteur qui va vous recevoir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Le pasteur a une dernière annonce. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Dis mariage avec moi, mariage. Mariage. Dis mariage. Mariage. Une maison où il y a le mariage est une maison bénie. Sous vos acclamations, je vais recevoir ici. Roberto. Et Laetitia. On acclame le Seigneur Jésus. Consolé. On pousse des cris de joie pour les vies. Consolé. Wow. Consolé. Jésus m'a consolé. Consolé. Jésus m'a consolé. Amen. Consolé. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour ces cris de joie? Acclame Jésus. Amen. Roberto et Laetitia se sont dit oui devant le maire hier à la mairie de Noisy-le-Grand. On bénit Dieu, on est grand. Jésus, Jésus, Jésus. Ils se sont dit oui, j'étais là. Yes, sir. Yes. Aïe, aïe, aïe. Amen. Voici deux personnes qui ont pris leurs responsabilités. Il y a un temps où on cause beaucoup. Et il y a un temps où on se marie. La Bible même dit qu'il y a un temps pour tout temps. Voilà, ils sont... Je dirais que ce sont des adultes parce qu'ils sont mariés. Amen. Mais pour nous qui le savons, ils sont jeunes. Mais ils ont pris leurs responsabilités. C'est des jeunes responsables. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Ils se sont aimés. Ils ont dit, nous, on ne veut pas jouer à cette histoire-là. Je crois que tu es la femme de ma vie. Je crois que tu es l'homme de ma vie. Donc, il n'y a pas de débat. On ne va pas aller se compliquer. Non, on va aller devant le maire. Ils ont prié Dieu. Ils ont la paix pour ça. Tout le monde est d'accord. Ils se sont mariés. On acclame Jésus. Amen. Ils sont passés devant le maire. Et après, on est allé prier pour eux. Moi, il est dit. Amen. Ça coûte pas cher. Ça coûte pas. Ça coûte pas. Ça coûte pas. Arrêtez de vous compliquer la vie. Ils sont. On acclame le Seigneur pour la vie. Je vais demander à tout le monde, avant qu'on ne prie pour la fin, nous allons prier pour eux. Tu vas étendre la main. Lady.
vas étendre la main sur leur vie et tu vas prier pour eux. Tu vas recommander leur couple, leur foyer entre les mains du Seigneur. Que la paix, la joie, l'amour, la fidélité, la fécondité soient leur partage. La santé, la longévité au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur comme si c'était pour toi-même. La Bible nous recommande de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Bénis leur vie. Bénis leur foyer. Bénis leur couple. Éternel notre Dieu, Éternel notre Roi, Éternel notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous te rendons toute la gloire pour cette union que tu as permis. Seigneur, nous prions que ce couple, Roberto, Laetitia, t'honore et te glorifie. Que ce couple soit la révélation de ta gloire, soit la révélation de ton amour, soit la révélation de ta grâce. Que cette union, Seigneur, te serve et que tous les deux puissent accomplir ce pourquoi tu les as unis. Éternel, nous les bénissons. Nous bénissons leur foyer. Nous prions que la paix, la joie, l'amour, la fidélité, la fécondité, la santé et la longévité qui émanent de toi soient les partages au nom de Jésus-Christ. Nous les bénissons. Nous bénissons leur maison. Nous bénissons leur postérité. Et nous bénissons tout ce qu'ils feront pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Quiconque se lèvera contre leur vie, contre leur foyer, sera sous leur domination. Tu leur donnes d'avancer et que l'harmonie soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Nous les bénissons dans le nom du Père, dans le nom du Fils et dans le nom du Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Nous acclamons le Seigneur pour la vie. À sa fin, vous allez simplement lever les mains et dire merci au Seigneur pour ce moment. Et après moi, je vais prier pour vous. Prenez une minute pour remercier le Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour cette Pâque. Merci Papa. Père, nous te bénissons encore et nous te rendons grâce de tout cœur. Tu as ordonné que la Pâque ait lieu le premier mois de l'année parce que c'est un nouveau départ. Pour nous ce matin, l'année 2024 commence aujourd'hui parce que c'est le premier mois pour nous. C'est le nouveau départ. Je bénis ton peuple en ton nom, Seigneur Jésus. Je prie que tu tournes ta face vers eux. Je prie que chacun expérimente la manifestation de la résurrection dans chaque domaine de leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare par l'autorité qui m'a été donnée en Christ Jésus, que cette année 2024 sera une année de résurrection totale, une renaissance totale, l'année du revêtement de Christ dans tous les domaines de nos vies, au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare que 2024, la lumière de l'Éternel
se lève sur son peuple au nom de Jésus-Christ. Le peuple de Dieu est béni. Les enfants de Dieu sont bénis de la bénédiction d'Abraham, de la bénédiction de Dieu qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je décrète et je déclare, vous êtes couverts par le sang de Jésus. Désormais, rien ne vous sera impossible. Tout ce que vous verrez, vous l'obtiendrez. Si vous pouvez imaginer, vous l'obtiendrez avec ce nouveau départ. Au nom de Jésus, Amen.